Allô besties, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un weekly vlog. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui en fait, je commence le weekly vlog. I'm in my pajamas. Je viens de faire couper mes cheveux. J'avais comme 2 pouces de cheveux, puis pour moi c'est genre un big deal. Mais pas le choix. Quand t'as des longs cheveux, faut que t'es entretiennes. Je trouve ça vraiment plus beau avoir des longs cheveux tout coupés égal, puis en santé. Je suis allée faire mes ongles. I feel amazing. Je profite des moments avec Cal pendant qu'il est en congé avec nous. Il est en comme congé slash étude parce qu'il va quand même à la bibliothèque vraiment souvent pour étudier justement pour son examen du Collège Royal. Puis c'est ça, je vais vous amener avec nous, on va faire le sapin de Noël. Je vais vous parler aussi de my holiday gift guide pour the Missouri Black Friday Cyber Monday sale. Fait qu'il y a vraiment un early access pour les members pour cette vente-là. Fait comme qu'est-ce que je vous conseille, j'ai commandé des nouvelles affaires. Je suis tellement contente de travailler avec eux à nouveau. Honnêtement, c'est tellement grâce à vous besties que j'ai la chance de travailler avec eux. Je les aime tellement. J'ai comme acheté les mêmes boucles d'oreilles que Selena Gomez avait sur leur feed Instagram. Cause I'm a bit of a fangirl. Puis j'étais comme obsessée avec. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé, comment que je commence déjà mes achats en fait pour les fêtes. Moi honnêtement, je suis vraiment une ride or die for the Cyber Monday puis Black Friday deals. Je trouve que c'est comme tellement parfait d'acheter tes cadeaux d'avance. Comme ça, t'as moins de dépenses à faire tout en même temps. Puis c'est ça, j'ai déjà hâte de monter notre sapin cette semaine. On a planifié de faire ça avant que Gab retourne au travail. Just get into the holiday spirit with the Christmas tree and everything. Puis ouais, je vais vous amener un petit peu dans mon quotidien comme d'habitude. C'est ça, on commence le vlog. Eye patches when you are a mom, it just hit different. It just hit different. Wow. I feel refreshed. Good morning. Alors, bon matin. J'espère que vous allez bien. It is the crack of dawn en ce moment. Mon fils se réveille quand même tôt. Il se lève normalement entre 5 et 6 heures du matin. Which is quite good parce que je suis habituée de me lever tôt, puis je trouve que je profite plus de ma journée, puis vu qu'il se couche tôt, ben je me couche en même temps que lui. Mais ouais, c'est quand même, il y a certains matins que c'est plus rough que d'autres. Fait que ouais, bon matin, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro, je vais vous parler de Missouri, la Cyber Monday and Black Friday sale, parce que je collabore à nouveau avec eux, puis je suis tellement reconnaissante. Je suis en amour avec la compagnie, pour vrai, c'est comme a little dream come true. Tu sais, quand t'es une fan d'une marque, puis après tu travailles avec, c'est juste tellement comme un full circle moment. Puis c'est ça, fait que je travaille avec eux. Dans la vidéo, je vais vous présenter un peu les items, faire un petit unboxing, parler de la vente. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé, puis vous étiez full contente de vos produits, vous êtes allé au magasin les essayer. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi que vous avez accès au magasin dans Fort Montréal. Vous avez 30 jours aussi pour faire des échanges, retours et tout. Fait que bref, on va en parler un peu plus tard. Mais ouais, c'est ça, je suis vraiment en mode holidays, en mode Noël. Puis j'ai encore les cheveux mouillés de ma douche. Pour vrai, mes cheveux sèchent tellement pas vite. C'est comme un process séché naturellement. Fait que j'aime ça les sécher au séchoir. Mais là, vu que j'aime les faire couper, je veux comme les laisser sécher naturellement puis pas les abîmer davantage. Calling for me. Tu tiens ta tête comme un grand. T'es tellement bon, t'es tellement beau. Oh, comme je t'aime. Besties, another day, another PJ day. Là, je vais vous montrer my updated Missouri collection. Ce que je viens de recevoir, en fait, je ne l'ai pas déballé. Fait que je veux qu'on fasse a little unboxing. Un petit peu où est-ce que j'en ai dans ma collection. Puis je pense vraiment que c'est comme the perfect collection. Puis des parfaites idées cadeaux. Fait que premièrement, comme je vous ai montré dans mon dernier vidéo, je trippe et je I never take it off. C'est ma chaîne en or avec le pendentif en diamant A. Pour mon fils, ça je la porte littéralement tout le temps. Je me lave avec, je dors avec, I shower, I sleep with it. Tout, je l'aime tellement. Puis justement, quand c'est en or 14 carats, tu te trompes pas. Puis je trouve que ça vaut tellement plus la peine d'investir son argent dans des bijoux en or and build this collection that you can give to your daughter one day ou genre à mon fils ou juste le garder pour toujours. Puis c'est juste tellement des morceaux qui vont tout le temps, they will last forever. J'ai beaucoup de mes bijoux qui viennent de ma mère, de ma grand-mère. Puis c'est juste tellement précieux pour moi. Fait que je suis contente de bâtir ma propre collection. Donc j'ai order some new things. Puis je veux qu'on les unbox ensemble. Il y en a qui c'est des cadeaux, il y en a qui c'est pour moi. Fait que I'm gonna show you everything que j'ai reçu puis où est-ce que j'en ai so far. Fait qu'on va commencer dans le premier little duffel bag. Première petite boîte, je suis tellement excitée de voir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Ok, first of all, il y a deux choses là-dedans. Il y a une bague puis un petit sac. On va commencer dans le petit sac, qu'est-ce qu'il y a. Ooh, I'm so excited. Alors ça, ok, ça c'est les boucles d'oreilles que j'ai vues Selena Gomez avec sur la page Instagram de Missouri. They are so cute. I'm obsessed with them. Ils sont vraiment comme bold. Oh mon dieu. Wow. Ok. Ils se défont comme ça. C'est genre. C'est comme a little clip.
Let's put them on. This is the first pair. J'adore. J'adore. Ah! Je pense que je vais les garder. Je les aime trop pour vrai. Ils sont tellement perfect. Like little bold, trendy, but still classic piece. J'adore, j'adore. Okay, let's move on to something else. La boîte, il y avait cette magnifique bague-là que j'ai spotée sur leur Instagram. Comme dès que j'ai vu ça, I was literally obsessed with it. Voici la bague. On dirait comme un little serpent avec la stone dessus. Je suis littéralement en amour avec. C'est vraiment mon genre de bague pour vrai. I love her so much. On continue dans le sac. Il y avait une autre boîte avec deux petits sacs dedans. Je suis bien excitée, oh my god. Ok, je pense que ça c'est des boucles d'oreilles. J'ai commandé comme deux paires de petits anneaux que je voulais créer ensemble. Oh, je pense que c'est ça. Fait que j'ai pris the little mini, puis j'ai aussi commandé les médiums. Fait que je pense que les médiums sont dedans. Fait qu'on va les mettre en fait. Je voulais vraiment comme des little bubble earrings. J'en ai pas des anneaux comme ça. Ça, je trouve que c'est tellement, tellement beau. Et so, voici les petites que je viens de mettre. You can see the little bubble, so cute. Puis j'ai regardé déjà dans l'autre sac, c'est the medium ones. Puis j'ai vu une photo justement, oh, on entend le petit hockey de la tasse. J'ai vu une photo sur Insta justement des mediums à côté des small. Puis je trouvais que c'était juste tellement beau. So let's put it on. Love that, little bubble, des petits anneaux comme vraiment bold, mais qui reste quand même classique. C'est trendy, mais tu sais que ça va tout être à la mode. Hoops are not going anywhere. Donc voilà, how cute is this? By the way, je porte encore mon bracelet, ça aussi je l'ai jamais enlevé. I never take it off. Genre mon bracelet Missouri avec les petites pierres dedans de naissance en or. Fait que ouais, je vais juste revenir aux oreilles là, je pense à ça parce que je viens de voir que j'ai oublié de vous dire que I still have it. Puis mes petites boucles d'oreilles. Love that! Ils sont vraiment cute pour elle, j'aime vraiment ce stack là. Je trouve que c'est vraiment beau, puis comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de piercing. Puis cette oreille là, c'est comme mon oreille un peu pour dormir, qui a moins de piercing. Parce que même après toutes ces années, ils font quand même encore mal. Fait que this is the cute little duo. Moving on au deuxième sac. Let's see what's inside. Je suis tellement excitée. Ok, première boîte. J'entends comme un petit bruit de chaîne. Ouh, je pense que c'est une petite chaîne. Oh! Ok, it's even better than I expected. Oh my god. Ok, non, ça, je pense que c'est my go-to. I'm in shock how good this is. Wow! It's quite heavy, vraiment luxurious. Encore une fois, cadeau à offrir à une mom, to yourself, to a close family member, une lettre comme ça, surtout une maman qui vient d'avoir son bébé. Je trouve que c'est comme moi, je suis obsédée par le nom de mon enfant, puis je veux juste voir son nom partout, and I love monograms, and I love customized stuff avec les lettres comme ça. It's just so good. Ok, ça c'est sûr que I'm gonna put it on and never take it off. Oh my god, je l'aime tellement. Dans la chaîne, il y a comme trois hauteurs. Oh my god, how... Perfect, ok, I love this little duo. Ok, je suis vraiment obsessée honnêtement. Ben si, je suis tellement en amour. De un, je me sens tellement excitée, je me sens comme une petite fille à Noël qui est trop excitée de travailler avec eux, de vous en parler, de vous montrer les bijoux comme ils sont tellement beaux, ils sont tellement de qualité, genre le poids. It's just perfect, you feel that it's like amazing quality. Genre c'est juste tellement tellement beau, la lettre de ton mari, la lettre de ton enfant. Ça peut être ta lettre aussi, ton initiale, l'initiale de tes parents, comme I just think it's so cute. Fait que là j'ai les deux initiales à mon enfant en fait. Fait que je suis trop 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 excitée. I have his first and last name. Love it. Ah, je suis vraiment, I'm so excited about this one. 20% sur des bijoux en vrai or, pour vrai, c'est une aubaine à ne pas manquer. Et là, je suis à ma dernière petite boîte. Et dernier petit sac. Chaque chose est toujours tellement bien emballée, tellement précieux. Puis vous pouvez vraiment utiliser ces sacs-là aussi pour ranger vos bijoux puis les organiser ou quand vous allez en voyage. So, let's see what's inside this one. Oh! Ok, je pense que genre the two last ones are my favorite. Ok, tellement beau. Ok, j'ai commandé un bracelet avec l'initiale à mon mari dessus. Je suis vraiment a fan for custom and letters and stuff. Fait que c'est un bracelet avec la lettre G pour Gabriel, mon mari. Oh, ok, il faut vraiment que je le mette. And I need to show this to you guys. C'est en diamant, ça vient vraiment fitter avec le A que j'ai dans mon cou. Puis comme je vous ai dit la dernière fois, je veux vraiment comme accumuler des petits bracelets pour me faire un petit stack sur mon bras. Fait que je vais demander à Gab de me l'attacher parce que ça, c'est ma main opposée. And I'll be right back to show it to you guys. Ok, je viens de le mettre. J'ai demandé à Gab de le mettre en fait, puis j'y ai montré. It's so cute!
Literally obsessed. Okay, j'ai remis mes petites boucles d'oreilles, j'ai aussi mis ma bague de la dernière fois que je vous ai montré. Puis je vais vous dire en fait des petits faits que je vous en ai parlé. Jamais vous connaissez pas Majorie, il y a un magasin à Montréal, fait que you can pick up in store. Vous pouvez même aller voir là-bas, faire conseiller, essayer les morceaux. Il y a une warranty aussi de 2 ans, fait que si jamais il y a un bijou qui brise, vous avez une garantie sur vos bijoux. C'est ça l'importance aussi de vraiment investir sur des pièces de qualité, comme vous avez une garantie, vous pouvez le rechanger. Le service au client est incroyable. Je pense que c'est ça qui fait la grosse différence d'investir dans des pièces de qualité pour vrai. Puis en plus, avec le rabais 20%, it's amazing. Vous avez aussi accès plus tôt si jamais vous êtes un membre Majorie. En tout temps, vous pouvez utiliser mon lien aussi pour avoir un 10% à l'extérieur de la vente. Pour la vente, c'est vraiment le 20% avec mes liens. Mais en tout temps, vous avez accès à mes liens. Je suis vraiment contente de travailler avec eux à nouveau. Fait que ouais, pour la vente, comme je vous disais, si vous êtes early access, vous pouvez avoir accès déjà quand vous êtes membre à la vente. Sinon, c'est pour le Black Friday and Cyber Monday. Puis je vais vous en parler un petit peu plus aussi dans mes stories. Comme ça, vous pouvez aller voir puis vous assurer de ne pas manquer ça. Puis je vais vous montrer vraiment my whole collection now, le coffre à bijoux customized, les bijoux customized. I think it's the best Christmas gift ever. Genre c'est tellement a nice holiday gift pour soi-même, pour quelqu'un d'autre. Puis je suis vraiment en amour. Comme j'ai jamais été autant excitée de ma vie de travailler avec une compagnie, pour vrai. Je pense que c'est une des compagnies that I'm most excited to work with. On vient de finir part 1 de faire nos décos. On n'a pas fait le sous-sol encore. Comme vous savez, c'est notre petite signature, Yael et moi. On fait des petits villages dans des vases comme ça. Puis on continue à chaque année de comme grow the collection. Fait que cette année, celui-là, c'est le nouveau. Je veux vous montrer notre sapin. Il y a comme tellement de détails dans mon sapin, honnêtement. Je suis comme obsessed with it. Il y a plein de sortes de boules. Il y a des boules avec des significations. Comme ça, c'était quand on a acheté notre maison. Ça, c'est notre wedding. On a un voyage qu'on a fait à Banff, Gab et moi. On a notre baby moon ici, Sorrento, la petite boule qu'on a achetée. Puis j'ai des petits chaussons parce que j'étais enceinte l'année passée à Noël. Fait des petits chaussons de bébé. Elle est juste so cute. Nos couleurs, c'est vraiment gold, silver, green and white, pretty much. Puis ouais, j'adore le look de la maison avec les décos et tout. C'est juste tellement cute. Go-to lip pencil depuis littéralement quelque chose de secondaire, c'est Whirl by MAC. Parce que j'ai déjà les lèvres pigmentées. Fait que vu que j'ai les lèvres déjà avec une teinte, pour moi ça c'est nude. Mais ça se peut que selon votre pigmentation de peau, ça soit peut-être trop foncé pour vous. Puis je vais juste sortir un petit miroir. Je prends le nouveau, ils viennent de me l'envoyer. C'est leur nouvelle formula, je pense. Ça s'appelle, c'est la shade 5040. Thanks that it's MAC. Je l'aime vraiment. C'est comme un rouge à lèvres, vraiment comme buttery, vraiment parfait pour vrai. It's so good. Puis c'est comme vraiment comme les bons vieux rouges à lèvres dans le temps qui sont pas mode du tout, ils sont vraiment très creamy. Fait que je mets ça avec ça, puis par-dessus je mets mon go-to gloss, c'est le 003 Moon de Maybelline. Fait que c'est comme honnêtement my go-to little lip combo que je suis obsessed. Vraiment que j'aiguise mon crayon, mais je n'ai pas le temps. I'm getting ready a bit in a rush. J'aille habiller mon petit coco, pacter l'auto. Comme honnêtement, faire une activité avec un bébé requires a lot of time to prep. Genre toute la préparation que tu dois faire. On est allé dans des chalets, puis pour vrai, notre auto, je sais même pas comment qu'on pourrait faire un plus long road trip que la, genre 2-3 jours. Notre auto était tellement pacté de stock, ça avait pas de bon sens. On a un VUS 5 passagers. Puis c'est un petit VUS quand même, mais je pense que définitivement, prochaine auto, dès qu'un ou deux change d'auto, on va prendre un 7 places parce que ça n'a pas de bon sens comment. On a beaucoup de stock en tant que famille, puis avec le bébé, it's crazy. Touche finale, c'est le gloss. Voici le petit lip combo. Maintenant, on s'en va au marché de Noël. Je vais essayer de vlogger le plus possible que je suis capable de prendre des petits clips. Mais c'est sûr que comme c'est dur pour moi de vlogger, de un, on y va avec mes parents. Fait que quand je suis en famille et tout, on dirait que je suis comme plus gênée de sortir ma caméra de vlog. Puis je suis juste comme dans le moment présent. This is my plan for today. Je capote mon bébé double à chaque nuit, j'ai l'impression. Il a porté des vêtements newborn pendant 6 semaines, de la semaine 1 à 6, puis de la semaine 6 à 10, il a comme quadruplé, on dirait. Fait que là, j'ai acheté des sacs sur Amazon.
Je vais les link dans mon storefront. Puis j'ai vacuum seal tous ces vêtements. Ça, c'est des newborn 0-3 mois. Bless you, Chunky. Il est juste à côté de moi. Fait que c'est ça. Ça, c'est des newborn 0-3 mois. It is so thick. Puis j'ai acheté ce genre de coffre-là qu'on va mettre dans son garde-robe après. Fait que ça, c'est tous des vêtements trop petits. Je suis en train de just vacuum seal everything. Puis ouais, les garder pour a next little baby. Update. This is the wardrobe after the clean out avec la boîte en haut. Je l'ai un petit peu mal fermée. Je vais demander à Daddy qui l'arrange après parce que Amy, puis ça me tente pas de la redescendre. Mais you can see, it looks clean. Oh my god, je capote comment on passe vite à travers les affaires. C'est juste insane how fast he grows. Good liquid blush. It is game changer. Hey, besties. Je suis en plein milieu de faire my makeup. Puis, je voulais vous jaser. En fait, honnêtement, j'ai tellement envie de genre vous donner plein d'updates de ma vie, mais comme en ce moment, ma vie, c'est littéralement juste mon bébé. Puis, j'ai vu un TikTok l'autre jour qui disait comme, c'est une fille qui disait genre, I love being a mom, I will never go back. Puis que comme, tout ce qu'elle a envie de faire, tout ce qu'elle a envie de dire, c'est parler de son bébé, c'est juste comme baby related. Mais c'est que tout ce que je fais, tout mon univers tourne autour de lui en ce moment. Fait qu'on dirait comme quand même mes amis sont genre, pis quoi de neuf, je suis comme littéralement tout ce que je fais c'est autour de mon bébé. Mais j'ai quand même des updates sur mon bébé si jamais you want some little baby updates. Honnêtement, ça commence à s'allonger ces stretches de nuit. Je sais que le sommeil c'est quelque chose qui est pas linéaire pour les bébés pis c'est très inconstant, fait que comme je prends rien pour acquis, mais on commence à faire des stretches de comme 6-7 heures, je capote ma vie. Honnêtement, ça va vraiment bien à ce niveau-là. Pour vrai, I feel like a new woman. Genre, avoir du sommeil, ça te change complètement. C'est un game changer. J'avais vraiment pris le sommeil for granted. Par contre, je dors tellement mieux que quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, je dormais vraiment pas bien. J'étais tellement inconfortable vers la fin de ma grossesse. Se mobiliser la nuit, juste tourner et tout. J'étais comme vraiment inconfortable. Fait que là, je dors mieux, mais c'est juste que c'est du sommeil saccadé. Fait que c'est vraiment différent. Puis, c'est ça, je suis vraiment excitée par rapport à ça. Honnêtement, il est tellement grand, je capote. Comme je vous ai dit, quand je nettoyais ses vêtements, il a été 6 mois dans du newborn. Puis après ça, de la semaine 4 à genre, là, il va avoir 11 semaines, à sa semaine comme 10, 11, il a comme quadruplé, j'ai l'impression, en l'espace d'une nuit. Je suis vraiment contente, par exemple, tu sais, il suit sa courbe à lui, puis tout ça, mais comme sa courbe à lui, c'est genre, je pense que c'est même au-dessus de la courbe, quelque chose du genre, mais comme, il est né, il faisait 8,3 livres, je sais pas si je l'ai déjà dit quelque part. Ouais, mon grand bébé d'amour, je capote, ok, je suis tellement obsédée par lui, mais si, ça n'a même pas de bon sens, genre, je me retiens pour pas beaucoup le poster sur les réseaux, parce que j'essaie de comme bien doser le tout, puis que ça soit pas juste lui partout sur mes réseaux sociaux, parce que si ça serait juste de moi, honnêtement, vous verrez que lui, genre, ma page, ça serait juste lui. Mais je veux quand même garder ma page, moi pis tout, là, évidemment, ça va continuer à rester mon content. Mais c'est juste pour dire, genre, l'amour que tu feels, c'est juste tellement magique. Puis je vous ai pas oublié d'ailleurs pour ma vidéo, mon récit d'accouchement et tout. J'aimerais vraiment se le filmer cette semaine. Gab, il recommence à travailler, puis ma mère va venir probablement m'aider peut-être une ou deux fois cette semaine. Parce que nos parents sont pas à la retraite, fait que, tu sais, ils viennent nous aider quand ils sont capables d'avoir des congés ou des petites vacances. J'ai hâte de vous raconter ça, honnêtement, parce que je trouve que le genre de contenu que j'ai fait pendant ma grossesse, c'est des petits vlogs, des trucs de même. Je trouve pas qu'il y en a comme assez sur YouTube. Genre, je trouve ça le fun d'entendre des récits d'accouchement, des filles qui se sont vraiment préparées pour leur grossesse, qui se sont préparées pour leur accouchement. Puis je trouve que c'est rafraîchissant, puis ça fait comme du bien. Puis moi, personnellement, quand j'ouvre les réseaux sociaux, je les ouvre pour me divertir puis pour me faire du bien. Je les ouvre pas pour que ça m'amène de la négativité, comme on a déjà tellement assez à dealer dans notre quotidien, tout le monde, que quand tu te connectes sur une app, c'est le fun de savoir que ça va te faire du bien, puis c'est comme vraiment heartwarming. Genre moi j'aime tellement ça écouter les vlogs en ligne sur YouTube, comme il y a plein de vlogueuses que j'adore. J'adore les vlogs des deux hosts de The Girls Bathroom. C'est vraiment un podcast que j'aime écouter d'ailleurs, c'est vraiment cool comme podcast. Puis ils font des vlogs sur YouTube, puis j'aime vraiment ça les écouter. Fait qu'eux j'adore écouter leurs vlogs. J'aime beaucoup aussi les vlogs de Madison Woolley, j'en ai déjà parlé, elle est en Australie. Puis comme j'aime ça voir son lifestyle, puis qu'est-ce qu'elle fait. Fait que moi, je trouve juste que c'est comme heartwarming, pis c'est fun, pis genre, it gets you in the vibe. Pis là, je suis comme tellement en mode holiday, holiday gift guide. Honnêtement, c'est une des années que je suis le plus excitée du temps des fêtes. C'est sûr, avec un bébé comme, on dirait mon fils, il est tellement émerveillé quand il voit les lumières de Noël, c'est juste fou. Genre, il voit les lumières de Noël, pis il arrête pas de regarder, pis il est comme, oh, la bouche ouverte, pis il commence tellement à sourire, genre, il sourit tellement, comme il y a des fous rires même des fois, je capote. Genre, littéralement, il va comme pousser des petits rires, et mon cœur fond en morceaux.
Fait que c'est juste tellement like precious and quality time. Puis au niveau de comme mon style vestimentaire, littéralement en ce moment, je suis comme toujours en pyjama. Comme ça, c'est like another pyjama set that I love. Je suis tout le temps en pyjama. J'enlève des pyjamas sales pour remettre des pyjamas propres. Genre littéralement. Puis I'm not mad about it. Je trouve que c'est comme la parfaite cozy season. Je trouve que j'ai comme justement accouché dans le meilleur timing parce que il faisait comme vraiment chaud, genre au mois d'août, il faisait beau. J'ai pu profiter vraiment, me baigner pendant ma grossesse, j'étais tellement bien dans l'eau. Puis après ça, j'ai pu profiter de l'automne parfaitement, comme avec la fraîcheur, le soleil et tout l'automne. Puis là, je suis comme vraiment dans mon cocooning season. Puis je prépare mes comme holiday gift guides. Je sais que vous aimez ça les voir, puis j'aime vraiment ça trouver des aubaines puis des rabais. Puis c'est pour ça justement que je voulais vous parler de la vente de mes jewelry du Black Friday et Cyber Monday sale qui s'en vient. D'ailleurs, genre, I'm still so obsessed, I never take it off. J'ai demandé sur Instagram l'autre jour, comme, est-ce qu'on prévoyait faire d'autres rénaux? Qu'est-ce qu'on prévoit faire à la maison ici? Honnêtement, la maison ici, on l'a vraiment mis à notre goût. Puis c'est sûr que Gab et moi, on est des gens de projet, ok? On aime ça avoir des projets et tout. Puis comme, notre philosophie pour cette année, puis notre but, c'était juste d'être comme content and happy and enjoy the present. Puis genre, comme juste dans le moment présent puis être vraiment satisfaite, parce que je trouve qu'on est une génération qu'on est tout en hâte à comme la nouvelle affaire. Juste bien des fois de comme prendre une pause, enjoy where you're at. Puis l'affaire c'est que si on déménagera en ce moment, on serait capable d'avoir une maison que j'appelle comme entre deux. Comme ici on aime tellement notre maison, on l'a tellement mis à notre goût, on adore notre quartier, notre voisinage. C'est pas nécessairement une maison que je vois adaptée pour nous dans le futur. Fait que si en ce moment on vend la maison puis on déménage, ça serait comme une maison que j'appelle un entre deux. Ça serait pas notre maison de rêve parce qu'on pourrait pas se permettre tout de suite notre maison de rêve. Fait que je préfère rester ici puis économiser encore une couple d'années pour juste pouvoir après acheter notre maison de rêve ou se la faire construire ou la rénover ou peu importe ça va être quoi puis vous amener avec nous dans le journey. Mais pour le moment on reste ici. Honnêtement il y a tellement de trucs que je veux continuer à faire dans la maison. Je veux comme changer certains meubles, switch it up, continuer de vraiment l'optimiser, optimiser mon rangement. Nous on a acheté une vieille maison dans le fond qu'on a toute rénovée. Fait que c'est sûr que quand t'as une vieille maison t'as pas le choix de faire certaines petites rénos puis il y a pas beaucoup de rangement dans les vieilles maisons à la base. Fait que c'est sûr que on a dû rajouter du rangement, des packs IKEA, etc. pour que ça soit plus comme, juste plus fonctionnel. Mais c'est sûr que pour le moment, on veut rester ici. Je me vois vraiment pas déménager, surtout avec un bébé. Puis en plus que Gab, c'est son examen du Collège Royal. Comme vous savez, moi j'ai vraiment vu mon accouchement puis ma grossesse comme mon propre marathon, que je me suis préparée pour un marathon puis que mon accouchement c'était genre ma performance sportive d'une vie. Mais là, on commence le marathon à Gab, dans le sens que c'est vraiment une très grosse période pour nous. Jusqu'au mois d'avril, honnêtement, c'est vraiment tant de qualité de famille puis études pour Gab, c'est tout ce qui compte en ce moment, avec évidemment son travail, parce qu'au travail ça, il travaille temps plein. Fait que c'est sûr que c'est quand même un gros challenge. On fait vraiment ça ensemble. Gab a vraiment été un partenaire incroyable pendant mon marathon, puis ma grossesse, puis mon accouchement. Fait que je veux juste être le même partenaire pour lui. Au travail son marathon, puis au travail tout le travail qui lui reste à faire jusqu'au mois d'avril. Puis après ça, on a décidé que probablement on allait partir en voyage, comme des vraies vraies vacances en famille. Vraiment dans le sud honnêtement, genre je crave comme un genre de tout inclus quand même, qui est juste tellement simple avec un bébé. J'aime vous être parti dans un tout inclus avec votre bébé, vous me direz genre vos musts que vous avez amenés. J'ai écouté des vidéos là-dessus pis c'est sûr que je vais vous documenter qu'est-ce que j'ai décidé d'amener, qu'est-ce que j'amène dans ma valise. By the way, si vous l'entendez, il est avec son papa, don't worry, Gab est en vacances. Fait que c'est pour ça que je peux vous vlogger puis j'ai plus de temps. Mais ouais, c'est ça, je veux sûrement réserver comme un tout inclus puis partir puis juste qu'on soit relax en famille après l'examen de Gab. Fait que je pense qu'on va comme se gâter puis aller en voyage. My besties, my makeup is done. I'm gonna go get dressed. Look at how cute he is. I'm dying. Je trippe. Comment il est cute. J'ai mis son chapeau parce qu'il faut que je le mette dans le car seat. On s'en va voir nos parents. How cute is his little outfit? Ok besties, je conclue le vlog juste ici. Je suis tellement contente d'avoir vlogué à nouveau. I'm proud of myself. C'est comme des petits challenges que je me donne. Je suis comme, ok, il faut que je vlog. I have to get ready. I have to talk to my besties. Pour elle, ça fait toute la différence dans mon quotidien de maman, comme je vous disais, comme je suis tellement en mode bébé, que ça me rappelle aussi dans mon petit moment de moi, de juste mode. Et non la maman, que la maman, c'est aussi mode. Fait que ça me fait juste trop du bien de vous jaser. Puis je mets toutes les infos pour la mesure Black Friday Cyber Monday Sale. Vous avez un early access comme vous êtes member, comme je vous disais. Puis c'est tellement des beaux rabais, 20% sur
tout avec un minimum dépensé de 150$. Mais aussi des bijoux, comme je disais, qui sont en gold vermeil. Il y a du silver, il y a white gold et gold. Fait qu'il y a vraiment de tout, puis ça explique vraiment tout en détail sur chaque fiche produit. Pour vrai, c'est un des sites que je trouve les mieux faites parce que tu vois toute la description du produit dans la fiche produit. Tu peux vraiment te renseigner, tu peux vraiment apprendre sur la business davantage. Fait que ouais, je suis vraiment contente de travailler avec eux à nouveau pour cette vidéo aussi. Puis j'espère continuer mon partenariat avec eux, honnêtement. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire ce que je fais, puis d'avoir l'opportunité d'être à la maison, de provide for my family, puis de faire ça avec vous, honnêtement. It's just such a blessing. Je suis tellement reconnaissante. J'espère vraiment pouvoir trouver un moment pour vous filmer my birth story, puis tout ça. Fait que ça, je veux vraiment vous filmer ça, mon récit d'accouchement. Puis j'ai un podcast surprise qui s'en vient aussi. Si jamais vous n'êtes pas abonné à mon podcast, c'est vraiment une place où c'est comme un safe space. C'est là que je suis plus vulnérable. C'est vraiment Big Sister Advice, Online Bestie. C'est là qu'on parle un peu de tous mes conseils, mon mindset, au travers la thérapie, au travers mes apprentissages. Puis on échange ensemble. C'est juste tellement une belle communauté. Fait que si jamais vous n'étiez pas au courant, j'ai vraiment un beau podcast audio. Puis c'est comme une des places que j'aime le plus être avec YouTube. Honnêtement, c'est comme tellement ma famille YouTube puis ma famille du podcast. It's just... En fait, juste ma communauté en général. You guys are insane, pour vrai. Vous contribuez genre quotidiennement à mon bonheur, comme les échanges que j'ai avec vous, les messages que j'ai avec vous, vos commentaires sur mes vidéos YouTube. J'adore vous vlogger. Puis ouais, je suis juste excitée d'avoir plus de vlogs, puis de vous amener avec moi dans ce chapitre-là de maman, puis de trouver un peu ma routine de vlog en tant que maman. Fait que c'est ça, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye besties! Oh.